Au départ, la maison, elle a été construite pour des personnes valides. Alors, quand on est dans une chaise roulante, bien sûr qu'il faut réadapter la maison. Et là, une personne, un architecte de l'association suisse pour paraplégiques est venu et a fait le tour aussi de la maison. On a fait le tour de la maison ensemble. On a adapté différentes choses, comme par exemple les accès depuis l'extérieur à l'intérieur de la maison, l'accès depuis l'intérieur de la maison sur la terrasse. La salle de bain aussi, ça a été un accès, un point très important à adapter. Et deux lifts, un lift pour monter à l'étage et un lift pour descendre à la cave. Pour moi, ce qui était important, j'ai toujours vu avec les yeux d'un ingénieur, c'est-à-dire voilà, c'est mon métier. Donc je vais voir que les choses, elles fonctionnent pas forcément pour tout le monde, mais pour moi. Donc ça veut dire que j'ai des besoins particuliers. Et après, il y a aussi les besoins esthétiques. Ça veut dire on doit habiter aussi dans quelque chose qui nous fait plaisir et dans lequel on a envie de retourner et vivre tous les jours.